Bonjour à tous, je suis Alice et nous nous retrouvons sur Golden Sun 2 l'âge perdu pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça fait trop longtemps. La dernière fois on a fait un phare, on a fait le troisième phare, je ne sais plus, je crois que c'était celui de Mars, si je dis pas de conneries. Et je suis revenu sur l'îlot d'Ateca, tout simplement parce que la dernière fois en fait j'ai passé cet endroit comme un con. Je suis un débile. Tout simplement parce que il est où? Il est là. Voilà, parce qu'en fait voilà, il y avait une herbe là et voilà. Ça c'est salaud. Qui c'est qui a soulevé? Qui c'est qui a soulevé? Qui c'est qui a soulevé? C'est toi. Donc, je récupère le djinn qui est ici. Et il me semble qu'il y en a un deuxième. Voilà, donc j'ai Giod qui rejoint Pavel. Giod, il est où? Il est là. Voyons voir. Ouais, mais attendez une seconde. Ah oui, c'est vrai. Je peux encore en avoir combien? Je peux en mettre encore 0. Je suis sûr que je peux en mettre plus. Frappe avec la force de la terre, ok. Donc je vais garder. Et puis il y en a un dernier. Alors il y en a un dernier, celui-là il est un peu plus difficile à trouver. Attendez. Où est-ce que c'était déjà? C'était près d'un tronc. Il me semble que c'était près d'un tronc. Je ne sais plus trop où. Dégage. À moins que c'était à Contingo. Je ne sais plus. Mais je sais qu'il y en avait un quelque part. Je vais retourner. Il y a un djinn que j'ai oublié quelque part. Bon, non, je vais me barrer. Pourquoi j'ai Vlad dans mon équipe, moi? Voilà. Là déjà c'est mieux. Ça devait être là, c'était sur lequel il me semble que ça devait être sur celui d'en bas là. Alors est-ce que je... Ah non, à moins que ce soit sur celui-là. Si je me souviens bien, qu'il y avait un djinn. Alors ça marche seulement avec la sauvegarde de Golden Sun 1, quand on a transféré sa sauvegarde. Ah, je sais plus du tout par contre lequel c'est. C'est pas celui-là. C'est un des troncs d'arbres. Ça doit être celui-là alors. Ouais. Celui-là est légèrement, mais très légèrement plus clair que les autres. Donc alors ça doit être celui-là. Ouais. Et il y a un djinn dedans qui me rejoint aimablement. Donc en fait on peut dépasser la limite de 3, 4, 5, 6, 7, 8 djinns par personnage je pense. Éclat. Et ouais, on peut donc dépasser. Donc là je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis à la limite de 7 djinns. Un ennemi puis attaque, je vais lui donner. Je pense que je vais les laisser comme ça. Vu que dans le bon gros souvenir que j'ai fait exprès de laisser cette disposition de djinn sur mes persos pour la bataille finale. Et Dieu que la bataille finale était extrêmement longue. Maintenant, il y a quelques endroits auxquels je vais passer avant de continuer. Je pense savoir où on va aller là, vu que là j'ai le nouveau perso. Alors par contre je crois que j'entends des petits grésillements. Je vais régler ça tout de suite. Voilà. Il y a des petits grésillements, je sais pas si ça s'entendait, mais voilà. Donc ensuite, prendre le bateau. Et il fallait que je revienne à un autre endroit. Donc cet épisode, ce sera sans doute encore de la capture de djinn. Mais je pense que cette fois, j'irai à un autre endroit. Hop, on prend le bateau. Le bateau qui a des ailes. La carte. Alors, où est-ce que c'était? Le phare de Jupiter, moi, je m'étais pas trompé. Voilà, c'était le village de Shaman. Je voulais y retourner. Il y avait aussi une caverne. Donc, alors, attendez que je me repère au plan parce que c'est ultra chiant.
Voyons, voyons. Voyons. C'est pas là. C'était... Ah non, attendez, il y a un autre endroit. Il me semble qu'il y a une grotte quelque part dans mes souvenirs. Faut que je me souvienne juste où elle est. Comment j'y allais avant? Je faisais tac. Ah non, je devrais y être presque. Donc non, ça devrait être par là. Ah non. Merde, le plan. Non, bon. Je suis sûr qu'elle est quelque part cette grotte. J'ai dû la louper quelque part. Non. Waouh, par contre la zone de trigger est vachement prêche. Vachement proche. Où est-ce qu'elle est déjà cette grotte? À moins que je sois pas sur le bon continent. Mais ça me serait vachement... Ça serait très drôle. Bon, c'est pas grave. Où est-ce qu'elle est? Je vais retourner au village du chaman. Donc, petite ellipse pendant ce temps. Parce que ça risque d'être assez long. Ouais, alors finalement, j'ai changé d'avis. Je vais pas récupérer ce djinn. On va s'attaquer de suite à l'histoire. Donc, on va aller... Alors, attendez... Il faut... Putain, j'en ai marre. Calme-toi. Là, je sais que c'est... Normalement, c'est l'îlot d'ATK, ouais. On va remonter par là-bas, qui nous permettra, si je me souviens bien, qu'il y ait quelque chose par ici. Ouais, par ici, je crois qu'il y a quelque chose. Donc, on va y aller. Faudra aussi que je pense à m'arrêter à un endroit cool sur la route, parce que j'ai presque plus de psy-énergie. Là, je peux pas passer. Ah, je peux pas descendre comme as. Ah putain, c'est nul. C'est nul, rembourser. D'accord, je suis obligé de sortir par une plage. Très bien. Tac, je suis dans l'eau. Donc, il faut que je descende un poil. Voilà, et ensuite, eh ben, je remonte. Donc on va quand même faire quelques combats. Voilà. J'ai surtout entraîné l'équipe de Pavel, enfin, oui, c'est l'équipe de Pavel, l'équipe de Vlad, je m'en souviens moins maintenant. On remonte. On passe, là, juste à côté, on est des tags. Tug Life. Je vais quand même m'arrêter à cause, pas à Kojingos, à Kibombo. Ouais. Là, c'est la statue de Kimbo. Je suis en train de me perdre. Merde, je crois que je me suis un tout petit peu perdu. Ouais, je me suis un tout petit peu perdu. Il faut que je remonte un poil. C'était le mauvais embranchement. Ouais. J'ai pris... J'ai pas pris le bon chemin. Voilà. Alors normalement là ça devrait être le bon chemin. Ouais, donc là faudrait que je continue à pied. Voilà, il est là, il était caché. Le mont magma. Seulement avant j'aimerais retourner à Naribwe ou à un village à la con. Naribwe. Ouais, je peux y aller si je descends bien comme il faut. Cette rivière. Ou bien en trichant un petit peu, mais bon. Tac.
Ah non, c'était pas bon, c'était pas pratique. Donc là normalement si je descends tout en bas, que je fais un peu de marche et que c'est bon, c'est quoi ça? Les mondes qui ont... Ouais, donc si je pense y être bientôt. Voilà, donc normalement ici si je prends... Voilà, parfait. Et donc c'est par là ensuite. Hop. Normalement je devrais y être. Non, il fallait que je descende un poil. On descend. On va repasser par là. Ouais non, non, faut que je, si je traverse là, je devrais y arriver. Voilà, juste à côté. Donc, Naribwe. Déjà, je vais essayer de vendre un peu d'équipement. De manière à faire un peu de place. Je sens que c'est déjà au bout de 10 minutes, j'ai dû perdre masse de personnes. Voilà. Bon. Quoique, avant de faire de la merde. Objet. Mais elle est pas maudite ce truc. Voilà, c'est ce que je pensais. Je vais lui donner ça. Bon, au pire, c'est pas grave. Donner à... à Vlad contre ticket de jeu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Bâton vaporeux sur personne. Ça, c'est à la forge que ça a passé. La robe sainte. Personne. C'est tout ce que j'avais. Et là, j'avais pas grand chose. Et eux, ils avaient quoi? Couronne foudre maudite. Lame d'argent. Je pense que le reste je peux le vendre. Quoique. Non. Et la hache. Non plus. Masse béni. Non. Mon ramassage. Mais c'est pas une arme diabolique ça. Maudit, ouais, c'est maudit. Plate abyssale, c'est maudit aussi, il me semble. Ouais. Je peux leur vendre maintenant. Je vais vendre cette merde. Ça, je le garde, c'est forgeable. Ça, je le garde. Ça, je le donne. Ça. C'est bon. Ça. Ça, je le garde. Ça. Non, ça, c'est forgeable. Ça, je le garde parce que c'est, ça peut être traité et ça peut donner un truc génial. Alors, ça, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est bon. Ouais, tu vas vendre ça. Tu vas vendre ça. On va au prochain village pour acheter un équipement de fou. C'est maudit. Faudrait qu'un jour j'aille faire une ellipse. Bah tiens, après cet épisode, faudrait que je fasse une ellipse. Pour retourner à Lemuria avec les porte-bonheur. Un autre guerrier, je vais le garder. Ça, je le garde parce que bon.
Voilà. Voilà, voilà. Donc là, j'ai vendu à peu près tout mon merdier. Toi, je vais t'acheter rien du tout. Les portes bonheur, je vais les racheter. Qui c'est qui les a? C'est toi. Je vais prendre les 4, voilà. J'en veux pas, j'en veux pas. Je vais prendre le cristal psy. Non, quoi que ça me servira. Hein. Voilà, donc j'ai vendu ton merdier. Ça me servira. Oui, pour un coffre. Je vais me reposer. Et on va combattre. Voilà. Et donc là on est bon. On va pouvoir s'attaquer au prochain gros donjon. Je me suis fait bloquer par un arbre, trop bien. Voilà, je vais mettre le bateau juste devant. Et nous voici mon magma, enfin. Ouah, déjà première énigme trop dur. Je sais pas quoi faire là. Je pas du tout là. Je là j'ai été ébloui par cette énigme. Alors, ok, ok. Un coffre. Est-ce que c'est une mimique? C'est une mimique. Premier combat, c'est trop bien. Du coup, je vais péter mes jeans dessus. Et si je peux gagner un niveau 2, ce serait bien. Là, je pense la finir en attaque au cac. Voilà. Et j'ai une pomme. Ah bah cool. Pomme, boost l'attaque. On va l'utiliser sur... bah, pas sur vous déjà. Ah merde, ils ont un niveau d'avance. Sur toi. Bon, de toute façon, je pense que je vais jouer avec... avec l'équipe de Pavel uniquement. D'accord, donc ce que j'ai fait ne sert absolument à rien. C'était génial. Bon, là je vois quand même qu'il nous montre l'explication de ses têtes. Donc là c'est mort. À gauche, c'est mort aussi. À droite peut-être. Oui. Voyons, voyons. Réfléchissons. Peut-être ça, je sais pas au pif. Ça a l'air de marcher. Ouais, c'est puissant. Il n'y a pas d'autre mot. Donc la petite raccourci que je viens de faire. Ensuite, ben, je pense que j'ai pas le choix, faut que je tombe. Donc là je pense que ça doit être la même chose. Du coup je vais mettre le explosé. Merde, qui a explosé? Ouais, c'est elle. Elle explosé, voilà. Après, si tout le jeu se base sur ce mécanisme, ça risque d'être facile. Et donc là. Et donc. Ah! Ah bah ouais! Ah bah ouais, mais préviens! Moi j'ai pas vu que c'était une plateforme. Maintenant je sais hein.
Là, je me pose. Voilà. Donc là, on descend, on fait le tour et on remonte. Ça se passe, ça se passe. Ah, le premier combat contre un phénix. Phénix lance incinération, ça fait du dommage, ça fait du dommage. Level up. Tranquille. Et donc là, non, je vais monter. Bon, là, il faut bourgeon, d'accord. Ah, voilà. Je cherchais un moyen de descendre parce qu'il y avait un coffre. Une goutte d'huile. Et donc là, si je descends... Meilleur griffon mage. Ouh. Ça y est, on m'envoie des du monstre là, du stremon un peu plus intéressant. Ouah putain, moi je sens le décès perso pour Cilia, toujours, bah toujours Cilia qui sent le décès. Ah par contre Pavel, tranquillité, personne le touche, le fait chier. Quoique ce que je vais faire c'est quand même mettre un perso en stand-by. Je vais mettre Cilia en stand-by et je vais... remplacé par ouais, je remplacerai par quelqu'un d'autre. Donc là c'est Vlad qui s'y met. Ouais. Ouais, donc ça servira à rien du tout ce que je viens de faire là pour le coup. Bon, donc là je connais ce qu'il faut faire. Bourgeon, et ben parfait. Ah, ça servit à rien pour le moment. Mes actions sont très utiles. J'adore ça. Deuxième action inutile. J'aime bien la musique de cette zone. Elle est sympa. Voilà, bah je peux le faire au cake en un tour en fait. Voilà, je pense déjà que là ça va aller mieux. Ok, donc déjà exploser ici. Pour libérer un premier passage déjà. Tac. Là on va faire les deux bourgeons. Reviens. Déplacer va pas me servir pour le moment. Donc qu'est-ce qu'il y a sur celle de droite? Sur la ligne de droite, nous avons. Bah déjà sur celle de gauche, il n'y a rien, c'est un piège. Ah, voilà qui est intéressant. Voilà, donc déjà ça a résolu deux problèmes même. C'est toujours ça. Ouais, je vais me foutre là. Donc je pense que ça va être pareil, il y a un endroit, il y a une phase extérieure, une phase intérieure.
Je couperai pour ma part l'enregistrement dès qu'on sera au début de la phase intérieure. Pour ne pas tout perdre. Ce serait dommage. De toute façon, vous aurez, je pense que comme d'habitude, vous aurez toute la phase en entière. Parce que je suis trop gentil. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Putain, c'est la misère ce que je prends. Je viens de prendre misère dans mes dents. Ok, donc je vais vite fait voir. Ok, il y a un coffre. Je retiens à peu près la position où il se trouve. La deuxième. Ok. Alors déjà récupère le coffre. Ici, ensuite sur le troisième, il y aura relié à faire. Des pièces d'or. Cool, c'est toujours ça. D'accord, il faut que je tombe sur le troisième. Enfin, dans le troisième. Troisième trou. Je peux pas me soigner. Oui, si, je peux me soigner. Bah non, lui, il est tranquille aussi. Voilà. Relier c'est l'Inakila. Ok, oula. Je sens le piège. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un piège. Je vais prendre suite gauche. Putain, c'était pas le piège. J'ai eu chaud. Allez, vite. Parfait. Je disais, suis d'en face. Le piège à con. Toujours piège à con. Tac. Donc là, déjà, petit raccourci de créer. Toujours faire les raccourcis. On ne sait jamais. C'est-à-dire qu'il prend en bas. Ouais, donc c'est pour revenir. Oh, ok. Et donc au-dessus, nous avons... Ok, donc je pense que nous avons la suite. Donc je vais revenir là où je... Ouah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Voyons, je pense qu'on va déjà utiliser... on ne doit pas utiliser Boreas. Enfin, non, ne pas utiliser Météor. Par... comment dire, par respect pour cet endroit. Et aussi parce que ça ferait rien du tout. Ah, voyons, lequel je vais utiliser. Lequel je vais utiliser. Pour me rappeler des souvenirs, Silex. Condamnation. Ah, attention. Ouais. Un one shot d'éviter. Mort douce, que ce monstre s'appelle. Ici. Donc en fait, il y avait quoi en haut? De l'autre zone que j'ai lâchement quitté. Voilà. Qui avait-il en haut? Ah bah oui, c'était bloqué. Hein. Donc en fait, j'ai pas fait de la merde. J'ai des réflexes comme ça, mais quand je reviens pour voir pourquoi j'ai fait ce réflexe, et ben en fait ça m'a donné raison. Ouais, il y a un coffre là par contre. À prendre. Je sais pas ce que c'est, mais c'est à prendre. Une ligne, je pense que je peux le faire au cac en un tour. Si je fais péter les attaques spé des armes, voilà. Oula, par contre là il y a beaucoup trop de choses à détruire. Là on monte. Déplacer ça, je pense. Donc, en fait j'ai deux personnes qui ont déplacé là. Enfin trois. Enfin, ouais, j'en ai beaucoup trop. Ouais, j'en ai au moins trois, donc c'est bon hein. C'est déjà ça. Ouais, je me fais agresser comme ça. Tranquillité. Génial. Ah mais j'aime ça. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Souffligné, donc là je pense que va peut-être y avoir un mort. Va bientôt y avoir un mort.
Je pense que c'est Pierce qui va y passer. Ouais, Pierce va y passer. Si j'arrive pas à les baiser durant ce tour, c'est bon. Voilà, Lina Pyromane, 32, Pierce 32. Bon, par contre, Vlad est un petit peu long. Lina Ferron Racure sur tout le monde. Maintenant, vu que j'ai fait tout ça et que ça n'a servi à rien, on va remonter. Alors là, c'est soit je suis bloqué et je fais de la merde, soit je passe par... Non, c'était une mauvaise idée. Ah, mais j'ai enfoncé, je suis con. Attendez, revenir. Oula. Réfléchir un instant. Ouais, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voyons, si je fais ça, que je fais ça, 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 voilà. C'est bon, j'ai pas fait de la merde. Mon intuition était la bonne. Enfin, le mot, un coup de chance c'était bon aussi, mais voilà. Et bam, chagrin dans tes dents. Donc, explosion. Tu vas détruire donc ce pilier. Voilà. Et donc là je vais continuer. Et donc je pense que là je suis déjà arrivé tout en haut. Non, je suis bientôt en haut. Ok, donc obligé de monter. Voilà, la boule de feu, si je me la prends, je sens que je vais avoir mal. Initiative, je me barre. Pour ce combat là, je profite du fait que je peux me barrer pour me barrer. Alors là je pense que je vais créer un raccourci. Normalement. Gagner. Et il y a quoi juste ici? Le coffre, génial. Coda de braise, qu'est-ce que c'est que ceci? Que de lézard forgeable. Ouh, faudrait que je repasse sur le forgeron. Je pense que j'irai hors caméra. De toute façon, tout ce que je ferai, tout ce que je ferai qui n'aura pas vraiment d'importance, je le filmerai quand même. Ce sera un petit truc bonus. Péter les jeans, faire péter les jeans. On fait tout péter. Genre toi, tu bouges plus. Paralyse les ennemis, non. Bah toi, tu fais Boreas. Et puis toi, t'attaques. Putain, même les cailloux peuvent lancer des attaques feu. Merde alors. Ouh, le Vlad là, le Vlad il prend cher par contre. Vlad il a pris tellement cher dans ses dents là. Ah putain, puis il est toujours en vie lui. C'est bon. Voilà, Vlad niveau 30, déjà ça, c'est bien. Donc maintenant que Vlad est niveau 30, je vais juste le soigner. Ensuite on va réorganiser. Vlad, tu vas donc donner ta place à qui c'est qu'il y a Garrett qui est 28, bordel de merde, 28 Garrett. Tu me déçois. Tu me déçois. Non, tu nous n'essaye même pas de me. Oh putain. Ok, donc là faut que je monte obligé. Il y a deux chemins. Je prends celui de gauche. Ok. La petite phase d'action. Trop d'action même. C'était un piège. Oh ça passe. Oh ça passe. Oh ça passe. Oh ça passe. Ça passe pas. Ça n'a pas passé. C'est pas grave. Il y avait la belle action. La belle action qui n'est pas passée.
Ah, par contre, la boule de feu n'est plus là. Bon, au moins, c'est bien géré. Ah, par contre, moi, j'aurais pas le temps d'escalader tout ça. Si je vais là, y a rien. Si je vais là, bah ok, c'est la suite. Donc je vais aller en bas. Je vais pas descendre comme un taré. Il semblerait que ce soit la solution. Donc si c'est la solution, oui. Tout en bas. Voilà, je vais redescendre en bas comme un taré. Ok. Donc là, on est bon. Non. Pas start. Donc là, c'est les phases où on attend avec les petits ascenseurs de lave. Voilà. On monte, on attend, on est tranquille. Voilà, ça c'est bon, c'est tranquille. Donc maintenant on va monter ici. Encore eux. Ouais, là par contre je vais essayer de me barrer. J'ai entendu un petit bruit venant du micro, c'est normal, je l'ai légèrement éteint pour éternuer. On va mettre soin. Voilà. Oh, il y a une boule de feu. Boule de feu. Est-ce que... Ok, je vois. Explosion. Boom. Boom. Ah, ça a même détruit les cailloux. Si c'est pas bien en fait. C'est bien en fait. Donc ça veut dire que c'est déjà l'entrée. Non, ça je me tape pas non plus. Non pas par peur, mais pour gain de temps. Donc je suis déjà entré. Est-ce que c'est l'entrée? A priori c'est l'entrée. Donc du coup on va s'arrêter là. Enfin, moi je vais m'arrêter là pour ce premier record. Vous aurez la suite dans quelques instants. Moi je pense que je ferai la suite d'ici allez, une petite heure, le temps de me reposer un petit coup. A tout de suite. Voilà, de retour, on peut y aller explorer la seconde partie, oui, du mont Magma, si c'est bien là où nous sommes, parce que j'enregistre cette deuxième partie le jour d'après, je ne sais plus ce qui s'est passé avant. Voilà, un tour de soin. Ça fait bizarre de rejouer avec des persos de Golden Sun 1. Je prends tellement cher dans ma gueule. Je pense qu'il va y avoir un mort déjà. Bientôt un mort. Non, c'est bon. Ça devrait être bon.
Waouh, quel effet incroyable. Bon, qui va décéder? Voilà. Donc là, est-ce que... Oui, je peux le faire. Je ne sais pas ce que ça va faire, par contre, ça va obtenir une boule de feu où? Ah ouais, c'est... Est-ce que là, ça n'a pas soulevé un truc si? Est-ce que là, si j'utilise force, ça fait un truc? Vu que c'est en face de ma Malugue. Non. Pas l'air de marcher, peut-être de l'autre côté. Comme... Ouais. Ça m'emmène de l'autre côté, c'est peut-être optionnel. Ça y est, je suis en train de me perdre. Je suis perdu, ça y est. C'est fini. Là, le jeu il est fini, je suis perdu. Bon bah moi je vais farmer un petit peu. C'est toujours ça de prix. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Je me perds. Je sais pas où je vais. D'accord. D'accord. Ok, donc je viens de faire un détour. C'est trop bien. C'est génial, j'ai envie de dire. Donc en fait ça j'aurais pu, ouais, j'aurais pu le passer. Ah, j'aurais pas pu le passer, ouais, d'accord. Bah, finalement c'est un mal pour un bien. Ok, donc c'est le même principe que la forêt de... Comment elle s'appelait déjà cette forêt? La forêt de Colima. Bon bah autant faire un raccourci hein. Si le jeu nous y invite. Une niche. Bon, un tour de cac et c'est fini. Voilà, deux attaques. Point. Maintenant allez en... Il y a quoi en bas? Oui, donc aller en bas mais en haut. Enfin ce bas du haut quoi. Vous m'avez compris. Pour le coffre. Qui est... Un porte-bonheur, très bien, donc c'était pas le bon chemin. Semblera-t-il que ce n'était pas le bon chemin, au nom de Dieu. Ouah, ça fait mal. Un mort et un qui est pas mouru. Bon, là normalement le tour de au cac ça devrait être suffisant. Voilà. Donc là. Non, là j'y suis déjà allé. Donc je vais remonter. Prendre l'autre chemin. Je vais essayer de fuir là. Ouais, ça marche. Normalement, il y avait un autre chemin. Voilà, le chemin du bas. Eh ben, c'était des cailloux. Trop bien. Alors, il y a un truc. Ah, d'accord. Ah, ok, donc fallait que je fasse le tour. Trop bien. J'ai fait n'importe quoi. Moi j'ai envie de dire ce sont les aléas du RPG. Hein, tu découvres des choses en faisant du backtracking. Tu ne peux pas en vouloir à d'autres personnes.
Putain, de méga rock. Ah, je vais me prendre cher. Voilà, déjà souffligné, ça, ça fait extrêmement mal. Ce blade dans mes dents. Donc, pas le choix. On va nous attaquer, essayer de taper une cure. La Boreas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, c'est un membre paralysé en ennemi. Bah, dynamite, vas-y, méthode suicide, trop bien. Yeah, je crois que c'est Garrett qui passait mage. Ouais, ça doit être lui. Vivement que je trouve une pierre psy énergique. Ce serait bien pour tout le monde. Enfin, surtout pour moi. Donc là, il faut que je fasse le chemin inverse. Très bien. Non, pas le chemin inverse. Il faut que je descende. Que j'aille au nord. Bon, le méga rock là, ça devrait aller quand même. Eh ben non, même pas. Je le prends cher dans mes dents. C'est trop bien. What? Ah d'accord, c'est pour ça que ça bougeait, très bien. Donc là je descends. Vite. Ça, ça va activer de la lave. Donc pas tout de suite. Je peux pas faire esquive là. Ouais, si je peux faire esquive au moins. Je parie que dans mon 10 secondes, je vais faire un combat. Voilà. Allez, vas-y, 2 secondes. Et en plus, j'étais surpris. Bah, c'est génial. C'est trop bien. Là, je me barre. Je me barre de toute façon. Garrett est... Non, c'est pas Garrett qui a été touché. Là par contre, Garrett va peut-être mourir. La fuite marche. Bon. Lina, je pense que je lui ai donné tous mes cristals psy. Donc en fait, là, il y a quoi? Ok. 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 C'est bon, je crois que j'ai trouvé une des deux choses à faire, parce qu'il y a sans doute plusieurs choses à faire. Bon, on n'a pas le choix, il faut combattre. Acier. Non. Géode. Autant claquer direct les invocations. Là, s'il y a et passé au niveau suivant, donc si je peux aller là, c'est que il y a quelque chose à faire. Voilà, qu'est-ce que je disais. Bon, là il y a quoi? Là, il y a peut-être froid. Putain, c'est chiant. On est en train de me perdre. Je vais me perdre, mais tout le temps ici. Voilà. Bon, Pavel va assurer les soins pour cette fois-ci. Voilà, là, putain, trop de choses. Je vais continuer de descendre. L'esquive ne fait plus effet. Pour ce que ça a fait comme effet, j'ai envie de dire, voilà, remboursé.
Ah bah. Oh bah. Oh bah dis donc, ouais. Ah il est tout mignon. Ah bah ça si c'est pas un coup de chance. Ah bah je ne sais pas ce que c'est donc du coup. Tac. C'est comment déjà? C'est R. Hop là. Ça doit être pareil pour l'autre côté évidemment. Salut copain. Combat, combat. Donc on va voir combien de jeans j'ai en tout. Ah j'en ai que deux de... Ah c'est étrange ça. Ah non pour l'instant ouais. Donc dans ce groupe déjà j'ai 9 de tout. Donc Apocalypse, Météor, Boreas, et puis... bah Ulysse tiens. Pyroclams. Ouah! Oh ça fait extrêmement mal. Ça fait très très mal. Je souffre intérieurement, je pense. Non, je souffre vraiment intérieurement. 353. Boreas, je pense que ça doit l'achever, Boreas. On a fait un jean en plus, c'est cool. Voilà. Level up de Pavel, parfait. Et ben je récupère un jean. Pas cool. Trop bien. Et... Alors c'est lequel? Fury. Non. Par contre, Fury, tu vas aller ailleurs. Il fait quoi, Fury? Invoque des zombies pour attaquer. Mais c'est génial. Qu'est-ce par contre, je vais te donner... toi, je vais te donner à toi. Ça ne change en rien. Donc du coup, Fury va aller avec Lina. Voilà, et Balina va quand même nous soigner, hein, parce que faut pas sa pute. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Donc là, il y avait un jean, très bien. Là, je ne peux pas y aller pour le moment. Donc c'est pour plus tard. Là, c'était une autre zone. Donc là, c'est pour un coffre. Ok, je prévois là tout le routing là. C'est vraiment du routing que je fais. Meurs, 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 meurs. Mais celle où on voit bien que Lina n'a plus aucun PP. Ce qui va me permettre du coup de faire quelque chose. Quand on sera en combat contre un ennemi. Où est-ce qu'il est, Mistral, je vais t'échanger contre... où est-ce qu'il est? Ici. Voilà. Comme ça, dès qu'il y aura un combat avec un ennemi, j'utiliserai ce jean pour faire récupérer PP de Lina. Je pense que j'ai tout fait. Bah voilà. Ça va me servir d'exemple. Donc tac, tac. Puis attaque. Et toi, tu veux utiliser Ether, voilà, sur Lina. Et normalement, c'est Pierce qui attaque en dernier, voilà. Je récupère 63. Vous voyez, c'est utile. Bon, le seul défaut que je vais devoir trouver à ça, c'est de passer à chaque fois pour le délier. Enfin, pour le lier plutôt. Donc du coup, là, j'ai quasiment tout fait. Je vais bientôt y arriver, Vous en faites pas, je vérifie juste. Ok, donc là, c'est pour le coffre. Bon, là, par contre, je me barre, si possible. Ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait très très mal. Non. Le masque mort étreint Lina. Trop bien, je suis maudit. Par contre, là, normalement, au bout de la troisième, ça doit faire que je peux me casser. Ok, donc une autre personne va crever. Faites que ce soit pas Pierce. Ce n'est pas Pierce. Voilà, là, je suis. Est-ce que je suis toujours hanté? Non, je ne suis plus hanté. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Tout en bas. Ok, donc là, il faut réactiver la lave. Donc c'est bon, je peux activer la lave. Voilà, bon, liche et griffon mage, ça doit faire aussi. Là, je pense que c'est Pavel qui va assurer le soin pendant un moment.
Yvon Vagabond 29. Parfait. Sophia 29. Génial. White. Ah, mais il gagne quand même des de l'XP. Oh, mais c'est intéressant ça. Moi, je le fais quand même combattre. Donc, en fait, du coup, je me fais chier pour rien. C'est si là. Ouais, si là, tu reviens. Voilà. Tac. Et tu vas me rendre mes jeans, toi. Je vais te passer. Je vais te passer. Reste dans le PP du groupe. Pas bah, parfait. Bah, ça va doublement me servir, ça. Donc, on reste entre le monde. Parfait. Voilà, donc maintenant on va activer la lave. Vu que j'ai... Non, je suis pas allé là. Je suis pas allé à droite. Ok, donc là c'est donc pour fermer la lave. Enfin, fermer la lave. Voilà, attaque suicide. Je vais quand même récupérer le jean. Mistral Ether. Voilà. Bon, j'ai tout fait. Là, c'est bon. Je vais refaire une dernière fois. Oui, c'est bon. Je pense avoir tout fait. On peut enfin y aller. Déverse la lave, toi. Voilà. Bon. Le diablotin, bah parfait. Un seul ennemi. Il est où, Ether? Il est là. Du coup, elle a bientôt récupéré. Bah, c'est bon, elle a récupéré tous ses pépés. Je vais pouvoir réutiliser au raqueur comme un connard. Voilà, donc on passe par là. Donc, ça, déjà ici. Déjà aller ici. Faut qu'il s'occupe de la droite. Afin de faire ça. Tac. Ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est possible de faire enfoncer? Oui. Non, ça marche pas. Ah, c'est pour plus tard. Ça doit être pour plus tard alors. Non, bah là, ça n'a servi à rien pour le moment, je pense. Le griffon, bah griffon attaque basique. Oh, il est complexe celui-là. Je crois que j'ai même, je crois que j'ai bougé que de un étage et ça fait plus de 20 minutes déjà. Donc. Tac, on passe par là, on fait attention à ne pas toucher au bouton, enfin l'interrupteur, et on passe par le chemin ici. Premièrement, récupérer le coffre, parce que le coffre c'est important, c'est les objets, c'est sans doute pété. Une potion voilée, c'est un objet qui peut être utile en combat final. Il a fait un saut bizarre là, Pavel. Donc, tac, ici. Là. Bon, alors déjà la Mordos, il faut absolument que je la détruise. C'est celle qui ressemble à me faire le plus chier. Qu'est-ce que je peux faire d'autre?
Alors bouffé déjà, tac, 151 points dans ta gueule. Et endormi en plus pour le diabolotin. Ah ouais, c'est... Ouais, c'est des petits zombies, j'ai l'impression. Par contre, Jiol, l'effet avec l'arrière-plan de la salle est magnifique. Très très bel effet. Du coup, oui, ça. Bon, on attend. Est-ce que je peux sauter direct? Ouais. Hop, ça fait un petit passage. Et donc là, après ça... Ah bah ça s'arrête. Bon, ok. Donc là... je pense que doit y avoir un truc. Doit y avoir un truc, ça doit jouer avec... Ah, ça doit jouer avec ça. Très belle musique de zone, cependant. Moi, j'aime bien. Il fait des sauts bizarres, quand même. J'ai l'impression que c'est des sons en décalé. Bah du coup la même chose. Quoique je peux déjà claquer du niveau 3. Je pense que si je claque juste du niveau 3, ça devrait être suffisant pour les battre. Suffisant que pour un seul. Bah, c'est toujours ça. Voilà, Lina envoûteur, maîtrise aura fraîche. Et bah voilà, là c'est pété. Parce que aura fraîche, bam, 200 à tout le groupe. Donc là, faut que j'aille où? Enfin, comment je vais le détruire ça? Ah, mais c'est explosé. Oh, si c'est ça, je m'en voudrais tellement si c'est ça. Oh, le boulet. Oh, le boulet. Oh, je suis un gros con, là. Oh, là, j'ai mal réfléchi. Ah, peut-être que j'ai fait ça juste pour le loot. Bah, écoutez. J'ai envie de dire, c'est toujours du loot intéressant qui est pris. Puis bon, j'ai récupéré un jean. Mais quand même, je suis assez con. Giga Chimère. Ouh, il est beau. Ouh, il est beau. Ouh, il est magnifique. Il a fait qu'un tour. C'est dommage. Donc là, c'est bon. Je peux aller au niveau, on va dire, le niveau moins 3. Actuellement. Merde. Faire le tour. Faire le tour, ouais. C'est une bonne idée. Je pense que c'est la meilleure idée que j'ai eue. Diablotin, bon, on a un tour, c'est bon. Voilà. Voilà, donc si je passe par là, que je fais tous les tours. Là, je peux fuir. Non, je peux pas fuir. Bon, j'ai évité un mort. Déjà, c'est ça de prix. Ensuite, là. Non, il fallait descendre. Putain. Donc, on revient. Et on descend. Ouais, ça y est, je suis en train de me reperdre. Là, je me barre. Donc peut-être qu'en passant par là. Oui. Oui, sans doute. Sans doute, c'est ça, exactement. Vous avez gagné un incroyable prix. Ouais, donc là, ça va être encore plus complexe. C'est moi qui l'ai nié, je me barre. Parfait. Oh là 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 là. Ah, j'aime ça. Ah, j'aime les énigmes. Ok.
Si je me fous ici précisément et que je fais déplacer, est-ce que je suis ah non, je suis pas tout à fait sur le bon côté. Shigashimer apparaît. Voilà, en fait elle n'est pas assez rapide, c'est le problème. C'est bien de tenter des trucs, mais voilà. Donc là ça va tourner, et donc là c'est pour activer la lave, très bien. Mais avant d'activer la lave, on va quand même vérifier quelques notions, enfin quelques trucs. Déjà là il y a un coffre, je pense que je vais pouvoir le prendre. Le giga chimère, c'est la fuite. Ouais. Alors pour ça, comment fais-je? Je passe par là, sauf que bon. Bon bah pas le choix. On va faire un premier test ici. Il y a mon écoute, il y a mon casque qui me gratte. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il y en avait un sur chaque côté. Non, reviens. Et c'est raté, oh là là, quel dommage. Je crois que j'ai oublié un truc. Ma curiosité va me tuer, mais je crois avoir oublié un truc. J'ai un doute, j'ai un énorme doute. Bon, mort, liche. Mur ronce, ok. Supernova, ouh, ça fait mal. Scylla va-t-elle mourir? Bon, Scylla est décédée. Du coup, c'est pas grave. Oh là 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 là. Donc, ça m'aura valu un mort d'aller vérifier un truc. Mort que j'ai ressuscité instantanément. D'ailleurs, je crois que Vlad, normalement il a ressuscité aussi. Ah, c'est l'autre quelque chose que j'ai dû oublier, ou qu'est-ce que c'est ça? Par contre, c'est intéressant. Ça, par contre, c'est intéressant ce que je viens de voir. Des piliers à bouger. Est-ce que j'aurais oublié de mettre esquive? Esquive qui, soit étant passant, sert un tout petit peu à rien. Voilà. Quand je disais que esquive ne servait à rien. Ok, donc là, il y a une chaîne. Et donc là, on peut aller en bas. On va déjà aller en bas. Ok, donc là, c'est pour faire le tour. Donc avant de faire le tour, on va déjà aller là-bas. Mega Rock, allez, je vais me les faire. Voilà, notion de suicide, dynamite. Donc Scylla a pris extrêmement cher dans ses dents. C'est tourbillon là normalement. Exact. Merde, j'ai fait quoi? Ah, j'ai fait B. Ah, j'ai fait B, c'est A qu'il fallait faire. Ne faites jamais ça à la maison. C'est pas que c'est dangereux et que vous allez potentiellement crever. Mais c'est que déjà, bah, c'est passé. Déjà, mauvais. Très mauvais. Il y a sans doute un pilier à mettre de ce côté, sans doute.
Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va enlever la lave, vu que le jeu nous le demande. Voilà. Ensuite, on va revenir en arrière. Je crois que c'était ça le truc. Fallait enlever la lave, revenir en arrière, descendre et bouger les trucs. Je suis sûr que c'est ça d'ailleurs. Si c'est pas ça, je me coupe la main. Et il semblerait que j'ai tort. Comment se fait-ce? Esquive ne fait plus effet, tu m'étonnes. Esquive n'a jamais fait effet. Oula. Serais-je en train de paniquer? Ou bien alors me serais-je trompé quelque part? Ah bah non, je ne m'étais pas trompé, c'est juste qu'il y avait un piège. Et oui. Donc déjà, première chose à faire, remonter. On va déjà explorer un petit peu, ok. Bah il y a un coffre là déjà, on prend. Coffre qui contient encore une coda de Braze. Faudra vraiment que j'aille forger tout ça. Du coup, je pense que je ferai des petites ellipses. Je pense que pour le prochain épisode, j'irai d'abord aller forger tout ce que je possède. Bah tiens, évidemment. Je me disais aussi. Il y a des portes qui claquent derrière moi, c'est trop bien. Et là. Et la merde, comment je fais? Comment fais-je? C'est là-bas, je suis sûr que c'est là-bas. Et c'était là-bas. Et oui, allez, le coffre. What? Ok, bon bah beaucoup d'éléments à forger. Je pense que toute ma thune va y passer. Voilà, j'ai été interrompu, c'est pas grave. Donc du coup, on revient. On revient lentement. On déplace ça. Et ben merde, on y est presque. On y est presque. Ok. Très bien. Oui, on revient là. Donc si je descends là, normalement... Ah ouais, c'est bien ce que je pensais, j'ai fait n'importe quoi. Donc faut pas redescendre tout de suite. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est remettre la lave. Yeah, Pavel est passé capitaine niveau 33. 33, ouais. Donc je pense que ouais, là le mieux c'est de faire de remettre. Non, pas tourbillon. Non mais ah, j'ai foutu ou explosé. Voilà. Donc là les piliers que j'ai dû que j'ai remis devraient normalement me faire découvrir un nouvel endroit que je n'ai pas encore vu. Ça sera bien. J'en ai raté un déjà, cool. Voilà. Et donc les piliers ils sont juste là.
Et donc ces piliers m'amènent, attention, quelques... Non, ça me mène pas que pour le coffre. J'ai eu peur. Ça mène aussi de l'autre côté. Les fromages, j'ai méga rock. Putain, les méga rock par contre, je les défonce. Ouais, ça me sert à rien, je les défonce en un tour. Moi, il est trop con. Et donc là, j'atterris. Ok, juste là. Juste à côté. Et ici. Ici, donc, qu'est-ce que ça m'amène? Où ça m'amène surtout. Ok, une porte au nord. Le giga chimère, c'est de l'XP tellement gratuit. Ok. Ah, enfin. Voilà. Donc là, normalement, faut que je retombe tout en bas. Attendez, 2 giga chimères, rien à foutre, je me barre. Ok, d'accord, elles le prennent comme ça. Non mais vous le prenez comme ça, ok. Hein. Je me barre quand même. Voilà. Si après ça, c'est pas la fin, ça va mieux, ça va m'énerver. Je pense que là déjà il y a un épisode de 1h30 ou là. Je pense que déjà vous avez un bon épisode d'1h30. Vas-y, non, je le barre. La flemme. Est-ce que j'ai mis esquive? Donc là, pas maintenant. Là, hop. On fait sortir toute la lave. Je ne sais pas où c'est cool la lave. Si quelqu'un a une idée, je suis prêt à l'écouter. Ou à lire ce qu'il a à dire. Chacun sa déduction. Moi, je sais pas où ça va, mais si... Mais si ça va vers les habitations, je plains les habitants. Donc là on fait ça, 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 on monte, on passe par là, et normalement on devrait... Non, c'était en bas, c'était en bas, c'était pas en haut. Là je me casse de tous les combats, pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Ah, et ben il fallait remonter. Il fallait remonter tout en haut. Okay. Bon, on y arrive peu à peu, on y arrive, c'est bon, on se calme. Moi je ne suis pas énervé. Il faut remonter tout en haut, très bien. Et passer par la droite, ouais. Je ne vais pas m'énerver. Mais je ne combattrai pas parce que voilà. Quoique pas la peine.
Je souffre, j'ai mal. Aïe, ouïe, aïe. Voilà. Là, normalement, on devrait y avoir... Où est-ce qu'il est? Putain, on me dit pas qu'il y en a. Putain, il y en a pas. Merde. Ah, je vais t'en monter moi-même. Je vois bonheur. Esquive ne fait plus effet, tu m'étonnes. Esquive ne fait plus effet depuis un long moment, j'ai l'impression. Ah, ça y est, c'est bon. Je suis sorti. Là. Ah, je vois le bout, ça y est, j'ai le bout. J'ai le bout du tunnel. Voilà, donc là je sais pas où ça va me mener. Et ça, ça m'amène où? Dis-moi que ça m'amène en endroit cool. Ça m'amène à la sortie, donc je suis redescendu. Ça veut dire que c'est la fin. C'est la fin, ceci est la dernière salle. Attention. Oh. Non. Bon. Ah non, pas de boss. Pas de boss, s'il te plaît, j'ai pas envie. C'est une énigme, c'est une énigme, c'est une énigme. Mais si je dépasse, ça ne fait rien. Non, je suis obligé de l'exploser. Non plus. Pulvériser ne servira à rien. Si je fais tourbillon là-dessus, ça ne marche pas. Là, c'est peut-être que si je fais inondation. Fuck la logique. À moins que. Bah oui, évidemment, je suis trop con encore une fois. Bon, c'est la dernière étape. Bon, moi je vais direct comme ça, vas-y. Allez, vas-y, je vais direct, je suis un fou. Non, parce que tu peux pas revenir en arrière. Et là, je m'approche. Pavel examine Estelle. Des symboles étranges ornent sa surface. Oh, détenteur de la force du feu, posez vos mains sur cette pierre. Nous vous conférons la magie embrasée. Et après de longs jours d'exploration sur ce nouveau continent, Lina a pu enfin acquérir la puissance d'embraser. Donc du coup, embraser, ça ressemble à une bite, putain. Je vais mettre à place d'exploser. Donc là, je vais me barrer. Et donc embraser va servir à ceci, si je ne me trompe pas. C'était pas ça. C'était toujours pas ça. Ok, c'est un jet de gaz. C'est ça en gros, c'est un jet de gaz. C'est totalement ça, c'est un putain de jet de gaz. J'ai quand même exploré à droite et à gauche. Et donc normalement Lina devrait aussi avoir cette capacité. Va te faire foutre la capacité. Même pas utiliser embraser dans les combats. Bon, il n'y a rien à gauche. Je sens le piège de... Genre il y a un truc. Donc plus bon, moi je peux me barrer. Je peux officiellement me casser.
J'ai l'initiative, bah je me barre. Je vais pas me priver. Très bien. Donc, en revenant ici. Non. Non, trop loin. Ah, presque. Ah, d'accord. Ça le touche. Je suis désolé, ça le touche. D'accord. Ah non, ok. Tac, ça en a eu un. Et le deuxième. Ouais. Et donc là, si je fais embraser dessus, il va se passer un truc. Non. LOL. Boule mama, laisse-moi deviner. Objet à forger. Je détaille. Objet rare. Bah... je le prends, vas-y, c'est un objet rare, ça peut se revendre peut-être cher. Par contre, je ne vois pas l'utilité. Et je peux me barrer. Je me barre, j'en profite. Salut, salut les mecs, ravi d'avoir été votre pote. Soulevé. Soulevé, c'est où soulevé? C'est toi. Et tac! Et voilà, le mont Magma, si c'est bien ton nom, c'est fini. Donc je vais m'en foutre dans la flotte. Et ben voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. C'est un plutôt gros épisode que vous allez avoir, je pense une bonne petite heure. Merci à tous de l'avoir suivi, même si je sais que en ce moment Golden Sun n'arrive pas aussi souvent que je le voudrais. Mais on s'approche grandement de la fin, on s'en approche. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo si elle vous a plu, de partager sur vos réseaux sociaux, de me suivre sur Twitter au @bossrebus1, de commenter aussi, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'aller regarder les autres vidéos. Bon jeu et à la prochaine.